Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Ce soir, nous parlerons MJC, nous parlerons donc culture et jeunes. Avec moi, Anne-Marie Brouy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice de la Fédération française des MJC. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité avec vos deux invités qui sont donc Daline Mondjoura, bonsoir. Bonsoir. Et Hassani Saïd, bonsoir. Bonsoir. Tout de suite, place au titre. Nous reviendrons dès 19h30 sur cette visite d'importance qui a commencé depuis dimanche, je le rappelle. Et à la une de l'actualité, cette nouvelle manifestation des parents d'élèves de l'école primaire de Doujani 1. Ce matin, ils réclament des conditions de travail décentes pour leurs enfants. Les sanitaires sont bouchés, les parents se plaignent de voir les enfants rentrer malades après l'école. Les mamans sont restées sur place une bonne partie de la journée. La mairie a envoyé des agents techniques en fin d'après-midi. Pendant ce temps, cette question était posée à Passmaïti. Qu'est-ce que l'école à Mayotte ? Les maires ont été invités à l'initiative du vice-rectorat à venir échanger autour de nombreuses thématiques liées à l'éducation. Les parents d'élèves, le vice-recteur et les maires étaient donc réunis au collège de Passmaïti au programme Construction et réforme du rythme scolaire. La cotisation foncière des entreprises qui vient remplacer l'ancienne patente pose problème. L'assiette servant de base d'imposition est la même qu'en métropole. Problème pour les petites entreprises mahoraises, cela représente un coût qui passe du simple au double. On fait le point. Doujani 1 croule sous les excréments, l'air y est irrespirable et les enfants reviennent à la maison malades. Voilà ce qu'indiquent les parents d'élèves ce matin. Ils ont bloqué l'établissement. Shakila Issouf et Leslie Vimenet étaient sur place. Énervés et excédés, les parents d'élèves de Doujani 1 ont bloqué l'accès à l'école primaire en raison du manque d'hygiène des toilettes et du manque d'entretien de l'école. Les mamans déplorent l'état dans lequel leurs enfants rentrent de l'école et craignent qu'il y ait un risque de propagation de la dengue avec toutes les mauvaises herbes et les déchets qui jonchent la cour de l'école. Les écoles du premier degré semblent être abandonnées. L'égalité des chances n'est pas la même dans toutes les écoles de la République. La question qui se pose est de savoir ce que les élèves maorais ont de différent des autres élèves, des enfants et des professeurs qui se retrouvent à faire leurs besoins dans les mangroves. Après 40 ans en tant que collectivité française, Mayotte est département depuis 3 ans. Le territoire est le plus mauvais élève en matière d'éducation. La peur est que le conflit devienne un conflit communautaire, avec les mères de famille anjouanaises qui expliquent que les services de la mairie n'entretiennent pas l'école car il n'y a que des élèves anjouanais qui fréquentent l'établissement. Les professeurs exercent leur droit de retrait. Ils étaient réunis cet après-midi afin de discuter des problèmes de l'école. Ils ont écrit leurs revendications sur papier et ont fait remonter un courrier à leur hiérarchie. Et les parents d'élèves ont d'ailleurs indiqué que si rien n'avait bougé d'ici la fin de la semaine, ils poursuivraient leur action. Et pendant ce temps-là, du côté de Passmaïti, on discutait justement de construction scolaire, des rythmes scolaires, de l'évolution de la scolarité, des points qui ont été abordés toute la journée. Les maires avaient répondu présents à cette invitation du vice-rectorat. Le séminaire des nouveaux maires de Mayotte s'est tenu aujourd'hui. Les images sont signées Abbas Aliti. Élus, l'école a besoin de vous. Voilà l'un des messages délivrés au cours de cette journée d'échange.
Une matinée qui aura permis aux tout nouveaux maires de rencontrer leurs homologues de manière tout à fait officielle. Les professeurs et les parents d'élèves ont pu également exprimer leurs difficultés au quotidien. Mais au-delà d'un premier contact, l'occasion est donnée au maire de faire le point sur la réforme des rythmes scolaires. Une bonne chose pour le maire d'Omtsamboro, encore faut-il un accompagnement de l'État. Bah, on est toujours attentif aux revendications des organisations syndicales. Après, on explique ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et on fait toujours primer l'intérêt général. Autre question qui était sur toutes les lèvres, les nouveaux maires vont-ils soutenir la création du GIP au détriment du SMIAM ? Cela fait des mois maintenant que les constructions scolaires ou leur réhabilitation ne répondent plus ni à la demande, ni aux besoins. Le préfet propose la création d'un GIP à la place du SMIAM. Peut-être l'objectif c'est de rattraper ce retard au niveau des constructions scolaires. Nous, on est attentifs à cette proposition. Et on verra ensemble avec l'ensemble des maires de Mayotte quel serait l'intérêt des différentes communes. Effectivement, c'est une priorité pour qu'on puisse accompagner le nouveau rythme scolaire, pour qu'il n'y ait pas rotation dans les communes, dans les écoles. Donc là, ça va tous ensemble. Il y a une interdépendance là-dessus. Les maires ont donc bien conscience qu'ils sont attendus au tournant, d'autant que la menace de grève des instituteurs plane. Ce qu'il faut, c'est juste chercher les moyens et pour pouvoir mettre ce rythme scolaire en place de façon efficace, c'est tout. Mais c'est un dispositif qui est très bien, d'autant plus qu'on enregistre un taux record de retard dans l'éducation à Mayotte. On vient de parler avec les responsables de l'éducation à Mayotte, notamment le vice-recteur. On est d'accord sur le principe que nous allons mettre les efforts ensemble pour chercher les bons moyens pour faire fonctionner ce dispositif de façon efficace chez nous. Lors de sa visite à Mayotte, Georges Paulangeois avait annoncé que Dembéni sera concerné par la réforme de l'éducation prioritaire. Et ce, dès la rentrée scolaire 2014-2015, les chantiers sont donc en marche. Et on reste du côté des municipalités puisqu'à peine réélu, Roukala Hadji pourrait être mise en difficulté. On rappelle qu'un recours a été déposé à Chirongi. Le candidat, UMP Ridjali Adams, demande l'annulation de cette élection. Il dénonce de nombreuses irrégularités comme le fait que des mineurs et des personnes radiées ont pu voter. Je vous propose de l'écouter. Chose jamais vue dans la commune de Chirongi, à Mayotte, hein, et même peut-être dans la France. Des mineurs ont voté, pas seulement, mais aussi des personnes qui ont été radiées par décision de justice ont voté dans la commune de Chirongi. Pas seulement, mais ça a été un combat déjà avant l'élection, mais ça continuera encore. Et des personnes extérieures, nombreux, hein, des personnes extérieures de la commune de Chirongi continuent à voter dans la commune de Chirongi. Donc on a posé une requête qui repose sur trois points. Premièrement, le vote des mineurs. Deuxièmement, c'est le vote de personnes qui ont été radiées par décision de justice. A remarquer que Madame le maire ne défie pas seulement les personnes, les habitants de la commune de Chirongi, mais on peut constater qu'elle défie aussi le procureur. La fiscalité de droit commun s'est mise en place le 1er janvier dernier avec son lot de surprises et de découvertes. Bercy n'avait pas encore communiqué les taux qui seraient soumis au vote des communes. On en sait désormais un petit peu plus les précisions de Shakila Issouf. Le taux d'imposition s'établit à 12%. Il pourra varier de 20% en fonction du choix communal. Pour la taxe foncière fixée à 4,78%, la marge de manœuvre des élus communaux sera de 20% en plus ou en moins. Mais c'est sur la cotisation foncière des entreprises qu'un sérieux problème se pose. Philippe Nikonoff, expert en fiscalité du cabinet A6CMO, relève que la base d'imposition est la même qu'en métropole et le taux d'imposition s'établit de manière très proche également à hauteur de 20% avec 20% de marge de manœuvre pour les conseillers municipaux. Le taux sera donc au minimum de 16% ou à maxima à 24%. Les industriels,
les entreprises du bâtiment, les services aux entreprises, comme certaines activités de conseil, les experts comptables, tous ces gens-là vont être exonérés. D'accord. Bénéficier donc de cette franchise. Et donc, du coup, ni les DUCA, ni ces entreprises-là sont concernées. Les autres sont concernés. Alors, les autres, c'est qui? Eh bien, c'est tout le reste. C'est café, hôtel, restaurant, c'est les activités de service, c'est les commerces, que ce soit un commerce un peu plus gros qu'un DUCA ou une grande surface, etc., etc. D'accord. Toutes ces activités-là sont concernées. Et elles sont concernées par quoi? Par un taux qui est complètement déconnecté de la réalité mahoraise. Le taux, il sera autour de 20%. Et encore, ça, c'est ce qu'on appelle le taux moyen qui est proposé par les... jusqu'à 24, je crois. Jusqu'à 24, auquel il faut rajouter les taux des chambres consulaires, etc. Bon. Selon lui, Bercy aurait commis une erreur en ne prenant pas en considération la fragilité du tissu économique local. À la question de savoir s'il s'agit d'une décision politique délibérée, l'expert répond que non. On peut faire des erreurs. Il y a manifestement une erreur. Mayotte, c'est loin. Les services ici, notamment les services financiers, moi j'avais eu des réunions avec eux dans le passé, il y a un an, on voit bien qu'ils prennent bien en compte, ils connaissent le contexte local, etc. Mais ce ne sont pas eux les décideurs. Les inquiétudes sont donc permises et Philippe Nikonoff en appelle aujourd'hui au maire afin qu'il saisisse la préfecture pour faire remonter l'information à Bercy. C'est donc le cœur de l'économie mahoraise qui est touché par une absence de prise en considération du profil des sociétés locales. Le nouveau Premier ministre Manuel Valls doit trouver 50 milliards d'euros d'économies. L'Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques a fourni une liste de propositions concrètes afin d'amincir le budget de l'État. L'une des solutions pourrait être la fusion de la Caisse d'allocation familiale et celle de la Caisse de sécurité sociale. Zakaria Amam. L'idée d'une fusion entre la CAF et la CSSM n'est pas novatrice. Elle est déjà apparue au moment de la réforme générale de la politique publique en 2010, sous l'ère Sarkozy, qui lui aussi cherchait à faire des économies d'échelle. Or, le sujet revient sur la table aujourd'hui. En effet, il a été demandé aux responsables de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse d'allocation familiale à Mayotte de plancher sur un projet de fusion. Cela s'est déjà fait ailleurs, mutualiser les moyens pour assurer un service optimisé, mais au coût de fonctionnement inférieur. Comment y arriver? Moins de guichets, plus d'informations. Moins de personnel, moins de frais de fonctionnement. En clair, il s'agit de réduire la voilure en repensant l'organisation globale. Pour l'heure à Mayotte, rien n'est fait, en tout cas de manière officielle. Toutefois, les réflexions sont engagées et elles sont redoutées par les salariés des deux organismes qui anticipent les conséquences d'une telle fusion. Cette fusion impliquerait un chamboulement. L'organisation de l'établissement est bien en place, ça fonctionne bien. Donc je pense qu'il y aura un impact par rapport à la population avant tout, parce qu'on est quand même chargé d'une mission de service public, même si c'est un service, un établissement de droit privé. Mais pour le service public, toute une organisation qui est en place, qui fonctionne bien et qu'on essaie d'améliorer. Et puis par rapport au personnel, moi je suis déléguée syndicale, je pense que le personnel doit être pris en compte dans cette fusion. Il peut ainsi être envisagé de fermer des antennes et donc de déplacer des agents. À une heure où la population réclame un service public de proximité, la mesure serait mal vécue. Cette fusion-là, si elle se fait, soit. Mais après, est-ce qu'il y aura une compression d'effectifs? Est-ce qu'il y aura des délocalisations? Est-ce que les conditions de travail seront garanties? Donc il y a plein de questions qui viennent par la suite. Une difficulté doit également être mise en avant. La CAF Mayotte dépend de la Réunion et non la CSSM. Le projet sera-t-il d'ensemble en rassemblant la tête des deux entités à la Réunion ou celle-ci restera-t-elle à Mayotte? Les difficultés sont donc aussi grandes que nombreuses. Puis à noter que les responsables de la CAF n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils indiquent qu'un communiqué pourrait être envoyé d'ici la semaine prochaine. Le BCM multiplie vainqueur de championnat de basketball féminin et dans la tourmente après avoir concédé une seule petite défaite durant la phase de championnat régulier. Voici l'équipe rétrogradée en deuxième division. Une décision qui n'aura pas tardé à créer la grogne chez les licenciés du club indigné. Zakaria Amam. Tous les jours, c'est près d'une cinquantaine de jeunes qui se retrouvent sur le plateau près de la MJC de Mtsapere pour jouer au basketball avec les éducateurs du club du BCM. Le BCM qui à ce jour comptabilise 14 titres de champion de Mayotte en 14 années consécutives et qui pourtant se retrouve dans la tourmente. On a joué un championnat régulier
en basket cette saison. Et puis à la fin du championnat régulier, on doit jouer les phases finales. Et notre équipe féminine a été disqualifiée parce qu'elle ne respectait pas les conditions pour participer au championnat régional féminin de basket. Ça nous handicape énormément parce que non seulement on est disqualifié du championnat de cette année, mais on se retrouve rétrogradé en deuxième division la saison prochaine, alors que nous avons fini premier du championnat. Une nouvelle douloureuse pour les féminines qui, après avoir dominé le championnat pendant plus d'une décennie, vont devoir désormais concourir dans la division inférieure. Pour la capitaine de l'équipe première, c'est un véritable coup de massue, mais le club ne compte pas s'en arrêter là. Là, c'est le basket, on peut rien y faire, mais là, nous, on va se battre parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Car pour pouvoir avoir les conditions pour jouer en régionale féminine, il faut déjà signer un papier. La Ligue nous a fait signer un papier, comme quoi on était sur les bonnes conditions. Et à l'arrivée, à la fin du championnat, ils nous disent qu'on est retrogradé en deuxième division et qu'on ne joue même pas les phases finales. On a joué un championnat sans faute, on s'est donné à fond, on s'est battu jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'on ne peut pas jouer. C'est hallucinant, on n'arrive pas encore à y croire, mais on va pas en rester là. Alors que la promotion du sport maoré est en expansion, que ce soit dans le football, le rugby ou encore l'athlétisme, cette sanction est vue comme une trahison pour les basketteuses du BCM qui ne comprennent toujours pas cette décision. Et par rapport à ce qui s'est passé, parce que même avant d'être disqualifié en championnat, nous avons été disqualifiés en Coupe de Mayotte par un règlement qui n'existait pas, qui a été mis en cours de la saison, qui a été appliqué au moment du début de la saison, par rapport aux licences étrangères. Et je crois que c'est un coup qu'ils avaient déjà préparé, nous laisser jouer le championnat et pour nous dire à la fin qu'on ne peut pas jouer les playoffs. Parce qu'ils avaient les atouts pour nous dire non, on ne vous engage pas cette année. Pourtant, ils nous ont signé les papiers pour pouvoir jouer en championnat. Pourtant, le BCM n'est pas le seul concerné par cette décision. Au total, ce sont 7 clubs qui sont sanctionnés et qui devraient être rétrogradés pour la saison 2014-2015. Un recours serait tout de même demandé par le président du BCM qui s'estime trahi par la Ligue régionale de basketball de Mayotte. Une affaire que nous aurons l'occasion de suivre, bien évidemment, 19h18, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité en bref. Image Presse Réunion dévoilait il y a quelques jours une note interne adressée par l'avocat général Vincent Le Panneret, un procureur du TGI de La Réunion, pour lui demander d'intercéder auprès d'un juge d'instruction afin qu'il entre en contact avec son homologue maoré. Ce dernier enquête sur le trafic de drogue suspecté depuis le 23 février 2011, lorsque le juge Niel n'est saisi que depuis 2013 sur d'autres faits découlant du même dossier. Cette prise de contact visait à demander au juge Hakim Karki de se dessaisir du dossier pour en laisser l'instruction pleine et entière à son confrère réunionnais, un dépaysement refusé depuis le début par les avocats maorés. Toujours est-il que suite à la publication de ce document, le procureur général a ouvert une enquête selon le journal de l'île de la Réunion pour connaître l'origine de la fuite. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, dont la visite était prévue en avril, est toujours attendu à Mayotte, mais cette fois pour la seconde quinzaine du mois de mai. Lors de cette visite, il pourrait être question de Mayotte, base navale française dans le canal du Mozambique. La visite du nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant, son prédécesseur Manuel Valls était attendu ce mois-ci et des annonces étaient espérées dans le cadre de la lutte contre la délinquance. En mars 2014, l'indice des prix à la consommation à Mayotte augmente de 0,4%. Cette hausse fait suite à une baisse des prix de 0,6% en février. Sur un an, les prix augmentent de 1,2% à Mayotte et de 0,6% en France. Les produits alimentaires augmentent de 0,9%. Cette hausse s'explique par le renchérissement des produits céréaliers et des produits frais. Les prix des services augmentent de 0,4% en mars. Cette augmentation est portée par les prix dans les transports et communications, avec le relèvement de certains tarifs aériens. Le prix du tabac augmente de nouveau en mars, plus 2% après 4,5% en février. L'ARS lance la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. La grippe reste une maladie potentiellement grave qui peut même se révéler mortelle en cas de complications. Voici donc les recommandations de Shakila Essouf et Fred Souleymana.
La grippe est une maladie virale qui donne la fièvre, courbatures, des maux de tête, douleurs musculaires et articulaires. Un outil simple de prévention, le vaccin mis en place gratuitement pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les gens qui sont atteints de maladies chroniques. Chez les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires pulmonaires, la grippe peut s'avérer mortelle. La campagne qui commence donc le 14 avril rappelle que c'est une maladie qui est très contagieuse, qui est potentiellement grave et que les gens qui sont les plus fragiles ont à leur disposition un outil très simple de prévention qui est le vaccin et qui est mis à la disposition gratuitement par la Caisse nationale d'assurance maladie en ce qui concerne les gens âgés de plus de 65 ans et la Caisse de sécurité sociale de Mayotte pour les gens qui sont atteints de maladies chroniques avec ce qu'on appelle une affection de longue durée. Une maladie qui, si elle n'est pas soignée, peut avoir de lourdes répercussions. La meilleure prévention reste la vaccination. La grippe peut vous obliger à rester au lit 5 à 7 jours. Pour un vaccin antigrippal, le patient doit aller voir son médecin qui le lui prescrit. La campagne inclut, si vous voulez, la période où on a le plus de risques d'attraper la maladie. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de saisonnalité, semble-t-il, à Mayotte, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de pic d'épidémie de grippe. On est en train de mettre en place un système de surveillance un peu plus précis, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas un système qui était très documenté sur les cas de grippe. La campagne débute le 14 avril et se termine au courant du mois de septembre. À l'inverse d'autres vaccins, la vaccination antigrippale est faite tous les ans. Beaucoup de maladies ont les mêmes symptômes que la grippe, mais ne sont pas traitées de la même manière. Il est surtout conseillé de mener une vie saine dans un environnement propre, pour ne pas favoriser le retour fréquent de la grippe. Prudence donc, ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 16 avril, c'est tout de suite en Maoré et préparé par Omar Saïd. Léo Asbi Vanua Zadiwana Zono l'école Ujani en Wakabalaz l'école Haivo Ambana Mirabaz l'école Zini Zayao Chafinyanguale Wala Orengele Ziwa Wazadiwanua Strongwa Ambana Nikaka Vaporana Shuara Léo l'école Zini Kastobula Nirjuao Ambana Vamawade Tani Maboli Aremoi Maori Maori de la Dengue Wastrongwa Tena Ambana Wao Kawatoto Wanao Ambana Wasenda Wasenda Somil Koli Waregeda Goni Namawade Risiju Ambana Maza Maori Inama Arbain Ambana Yoyulo Collective Tash Faransa Namahamiraru Ambana iya departement Beleo Rengalia Fete Fete Zitongo Rispara Ambana Maori Harimui Faransa Pia Devano Msomo Wenda Onnay Su Ala Rejidi Sewa Leo Eba Wantwa La Meri Wadala Alkoli Ini L'école initini maori yande ma disaka asbivan college passmate bomojana ma domana ma ulel jumba la vice rectora ma mera na matadi wana zone ontono kangulzana pia ovani tawapareshwara harmo reform inistrical bolia shvaranta itsaijuitin zani hirwa ritmo scolaire ma mera o waka pia ovani mana leur shwat na madibaka renewable ya ma mera ampia pia wash maori mahadisi yatongesa mbana mafundil koli na wadzadi wana zone wo warongwa tangu zipara wanata ndikoli Tungozini zi hisa salama salimina risinda evo mamera wafanye jitihadi tatungozini zirengele. Nyangu tihali vanir sijua ambana ntongo za la tete zini ziro shifaransa fiskalite de droit commun zizo zingia maore nyangu mwezi moja wa janvi. Na wizo zitotongesa ambana tawali kawaka demande permi iruhusua mtuwa wa henyumba wawu watoruhusua wa livela tete inuro tax d'aménagement. Madza sirkaliboli faransa oho zivelea zitamani maorevani bevwa ntongo wantu kawako zilindilia hauhandisa na zila tete za zi entreprise. Bana Philip Nikonof mtaalamu ntongo za la tete astrongwa Ambana tamani za la tete entreprise za shimaore lazimu zizidive zizo za hali swafi kiasi autosha. Asrongwa ambana wanyawani mkinishiha, wafanya koswa, harmoa kalkuli zao, zini waambiamba na walive entreprise za shimaore. Asrongwa tena ambana wanyawani mkinishiha, wafanya koswa, harmoa kalkuli zao zini. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, journée mondiale des luttes paysannes, journée mondiale de l'hémophilie. Et puis, bonne fête à Anissé et à Marianne. Le dicton du jour, beau temps à la Saint-Anissé et l'annonce d'un bel été. Et justement, que nous réserve la météo de demain, Ornella Perrine.
tous, voici les prévisions de demain, jeudi 17 avril. Le ciel se dégagera avec des éclaircies à prévoir et un temps très ensoleillé sans grande précipitation. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Mandrélé et 30 degrés à Bouigny. Le soleil se lèvera à 6h05 et se couchera à 17h52. La marée sera haute à 5h10 et 17h20 et basse à 11h10 et 23h40. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, sur KTV ce soir, et bien à tout juste 20h, ce sera Drôle de Dame avec Mariam Hassani. Et puis pour l'heure sur KTV, on part du côté de la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre ? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile ! Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kawéni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsi Tsenao Ifadu Oulanga. Avec la carte Nafassi, profitez de l'option illimitée Mayotte et Métropole. Vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafassi et carte ON à partir de 10 euros. On lit, Istaoui. Oh maman! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de jouer. Je suis sur le site internet de la SMAE, je paye la facture d'eau potable. Puis quand on envoie des chèques sur internet? Et Abdou, ce n'est pas parce que tu as fait la leçon à ton grand-père que moi je ne sais pas comment ça marche. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. J'ai terminé et ça ne m'aura pris que quelques minutes. Maintenant tu peux jouer. À partir d'avril 2014, sur www.mahoresdeseaux.com, créez votre espace client et réglez votre facture d'eau potable en quelques clics. Regarde, maman. Hé, maman. Tiens, maman. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et voilà. Le yaourt ou là? C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt ou là? C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90.
18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou la, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Eh bien, nous avons trois invités avec nous. Anne-Marie Bourouille, bonsoir. Bonsoir. Donc, on rappelle que vous êtes la directrice de la Fédération française des MJC. Vous êtes en déplacement à Mayotte et donc vous êtes accompagnée de Hassani Saïd, bonsoir. Bonsoir. Et de Daline Mondjoura. Voilà. Une première question, pourquoi cette visite et qu'avez-vous fait depuis que vous êtes là surtout ? Alors, pourquoi cette visite ? Très très vite, donc la Fédération française des MJC est une fédération qui affilie 500 MJC en métropole et en Outre-mer, et notamment à Mayotte, où nous avons donc un relais qui est la FEDEMAEP, dont on vous parlera tout à l'heure, et des MJC qui sont ici en Mayotte et qui sont adhérentes à la Fédération française des MJC. Et pour nous, l'objectif, c'est de développer le travail d'accompagnement des MJC pour qu'elles puissent travailler plus en phase avec les besoins de la population à Mayotte et avec les différents partenaires. Donc nous, pourquoi la mission et mon déplacement ici ? C'est en fait pour mettre en place une action territoriale de proximité qui fasse que qu'on puisse être sur une permanence d'accompagnement des MJC, de la Fédération départementale FEDEMAEP, pour mettre en place un plan d'action à long terme, avec des objectifs d'intérêt général pour travailler en direction de la jeunesse. Alors j'imagine, on rappelle que vous êtes là depuis dimanche, oui. Les rendez-vous se succèdent, vous avez rencontré de nombreux acteurs locaux, visité de nombreuses structures. Il y a quand même tout un monde entre les MJC de Mayotte et celles métropolitaines. Oui, tout à fait. Alors, j'étais déjà venue il y a 2 ans à la MJC Bongani de Mamoudzou sur une action de formation. J'avais commencé à prendre, et puis j'étais avec une collègue, Danielle Gros, qui a beaucoup travaillé ici sur Mayotte avec la FEDEMAEP. Et donc, on a bien compris aussi les différences. Mais nous, on pense qu'il y a un potentiel et puis il y a un vrai besoin au niveau de la jeunesse à Mayotte. Donc voilà, après, à nous de voir comment on peut transposer certaines choses, mais en même temps, tout en étant adapté à Mayotte et à ce qui se passe ici. Mais pour nous, l'objectif premier, c'est effectivement, nous, on a constaté que les MJC ont perdu un peu de la confiance de leurs partenaires, des collectivités locales en particulier, et des autres partenaires. Donc nous, notre souhait, c'est de structurer ce réseau des associations et leur donner, les aider. Les aider à construire leur projet associatif et à construire des actions qui répondent, ce qu'on disait, aux besoins de la jeunesse. Et ça sera, on en parlera, le rôle de notre coordinateur. Justement, on va donc présenter la personne qui est face à vous, donc qui est Daline Mondjoura, coordinateur territorial du réseau MJC. C'est un poste qu'on vient de créer, qui est fait sur mesure. Ouais, en fait, pour répondre à ça, je parlerai tout simplement de mon parcours. J'ai fait une formation atypique sur le sport, avec un BE handball et un diplôme d'état de la jeunesse, éducation populaire et du sport. Voilà, je suis rentré à Mayotte il y a 2 ans à peu près. Après, je suis reparti en métropole pour faire une formation dans l'éducation populaire, donc dans l'animation éducative et populaire. J'ai un diplôme d'état supérieur de la jeunesse, éducation populaire et du sport. Et quel va être justement votre rôle ? Donc mon rôle là-dessus justement, c'est de mettre un lien entre la Fédération française des MJC et la FEDEMAEP, qui est la structure départementale ici à Mayotte. Alors, c'est vrai que Hassani Saïd, c'est à votre initiative que cette invitation a été lancée. Il y a un besoin aujourd'hui pour pouvoir, on va dire, débloquer des moyens, peut-être mettre en place des actions, de faire appel à des personnes comme Anne-Marie. Oh, oui, bonsoir. Notre souci n'est pas vraiment à chercher les moyens, c'est trouver comment les gens peuvent monter leur projet et quelle est la démarche à faire pour trouver des financements. On n'est pas forcément là pour aider à financement, mais à la recherche des financements, mais aussi à faire savoir aux gens qu'une association, c'est une structure à part entière. Il y a des règles qu'il faut respecter, et il y a des bilans à faire, il y a des AG à faire, il y a des réunions associatives à faire. Donc, avec l'aide de la Fédération française des MJC, depuis 3 ans maintenant, ils nous soutiennent.
Donc, je crois que la venue de Anne-Marie cette fois-ci vient pour finaliser un petit peu tout ce travail qui a déjà été fait depuis 2 ans. Et avec la venue de Mondoa, j'espère que notre fédération pourra prendre son envol et que les associations adhérentes puissent vraiment bénéficier des avantages d'être dans une fédération. Alors justement, quel est le constat aujourd'hui? Je vous pose la question à vous, donc qui est sur place, et je vous pose également la question en tant que, on va dire, visiteuse. Oui. Alors que vous étiez arrivée donc il y a quelques années de ça, quel est le constat de nos MJC? Le constat, c'est que tous les ans, ou bien chaque mandat politique, il y a une ou deux maisons qui voient le jour dans le territoire de Mayotte. Mais c'est une maison qui est faite avec les murs, mais à l'intérieur, on ne voit pas le projet. Donc, soit les gens ils savent pas comment chercher pour faire fonctionner cette structure, soit l'administration, pour se débarrasser de ces jeunes, il dit voilà, je vous fais ce que vous voulez, mais après, à l'intérieur, ils mettent rien. Donc, nous, on veut aider justement ces structures à chercher les moyens, à permettre aux jeunes de mieux fréquenter ces lieux et de se les approprier. Parce que des fois, ils les fuient ou bien ils les cassent. Parce qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils doivent les garder dedans. Voilà donc. Le constat, justement, après autant de temps passé à l'extérieur. Donc le constat, oui, j'étais venue il y a 2 ans, je reviens là. Moi, je constate qu'il y a un espèce de découragement une perte de confiance des partenaires dans les MJC et un découragement aussi des acteurs des MJC que nous avons rencontrés. Voilà, donc, parce que je crois que le chantier en direction de la jeunesse, il est important, qu'il est compliqué, on ne sait pas trop comment commencer. Pour nous, les MJC, c'est aussi un projet associatif, c'est aider une MJC, les personnes de l'association, vraiment à créer leur projet associatif. Ça, c'est une première chose. Et notre constat aussi, c'est c'est l'absence, le manque de formation du personnel. Encadrant. Nous constatons qu'il y a des animateurs qui ont une formation BAFA, par exemple, pour encadrer des centres de loisirs, de l'accueil de loisirs. Mais il manque un peu une stratégie, une politique un peu plus structurée sur le projet de la MJC. Et on pense qu'il y a besoin effectivement de former du personnel d'encadrement qui puisse être permanent sur l'association. Alors justement, Daline Mondoa, quelle va être cette stratégie? Comment vont se dérouler ces mois à venir? J'imagine que le chantier est colossal, que toutes ces MJC que vous avez pu visiter sont en demande. Comment va s'organiser votre emploi du temps? Comme vous venez de le dire, c'est très compliqué. Mais les premiers mois, ça sera un très gros un état de lieu ou un gros diagnostic que je vais mettre en place. Ça nécessite de me déplacer, aller voir les acteurs de l'éducation populaire, les instances où on va travailler, les partenaires avec qui on va travailler. Donc après ce constat-là, on va essayer de mettre un projet, puisque les MJC, c'est pas un lieu, qu'un lieu de fête, mais les MJC, en fait, c'est tout un projet à mettre en place avec les citoyens et pour les citoyens. Donc on rappelle que MJC qui veut dire maison des jeunes et de la culture. On a tendance à l'oublier, surtout à Mayotte. Merci à tous et à vous d'avoir répondu à nos questions. Malheureusement, cet entretien s'achève, ça passe très vite, 10 minutes. En tout cas, nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous sommes donc sur un gros chantier des MJC. Peut-être dans quelques mois, on aura l'occasion donc d'en reparler sur cet état des lieux. Je vous remercie en tout cas. Merci. On se quitte sur cet entretien. Merci. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri à tous.